Je reprends aussitôt, mais que vois-je? Et bel et bien un jeu épique, cultissime. L'une des meilleures exclus du PC au début. Je vais bien sûr parler de Indiana Jones et le tombeau de l'empereur, et on est parti pour la deuxième partie. De Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. Avec toujours Indiana Jones qui a envie de pisser. Et qui ne sait pas ouvrir des leviers. Alors attendez, purée. Veux-tu faire le levier s'il te plaît? Plus il y aura des phases assez délicates hein, par la suite et. Bon si on arrive à peine à bouger un levier, c'est un peu hard. Donc voilà, on est parti pour combattre la directe. Trois ennemis là, c'est la fiesta. Alors lui il a un fusil, c'est génial. Oh purée, oh purée. Mais vas-y! Il est invincible ou quoi? Ah purée, il va me tuer. C'est en plus un one shot ce truc. Non! J'ai pas trop peur des flingues, mais par contre du fusil de chasse, c'est pas la même chose. Voilà. Parce que ce qui one shot les ennemis, ça nous one shot aussi. Donc faut faire attention. Ah purée, il est horrible. Ah mais les chauves, ils sont forts hein, dans le jeu. Crainte d'œuf. Purée, les docteurs Eggman, ils sont chauds quand même. Mais purée! Mais balance ta balle! Fichtre! Voilà. C'est pas un coup dans le vent. Ça commence très bien. Ça commence parfaitement bien, vous voyez. C'est génial. Alors j'ai oublié de changer pour le logiciel de capture, changer un peu les options. Mais bon, tant pis. Hein. J'ai l'impression qu'à la fin ça ramait plus, donc bon. C'est juste quelques freeze quelques fois. Donc globalement c'est fluide. Alors on va se faire lui dire. Merci et au revoir. J'allais dire, on va se faire lui direct. Mais c'est génial. Il nous one shot direct. S'il vise bien. C'est vraiment. Alors, ce que vous voyez, ce qui tremble en fait, c'est l'éboulement derrière. Voilà, parfait. Oh, deux balles. Comment ça se fait qu'il en a deux maintenant? Voilà. Oh là 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 là, mais c'est royal. Allez, toi, dégage. En même temps, là, on a plus de chance, on a deux balles. Ce jeu a beaucoup d'aléatoires aussi dans le speedrun. Purée. Bon, il s'est pas rechargé une arme. Ah, de faire joujou avec ça. Après, il met du temps à recharger. Mais c'est le mode. Hein. Parce que de base, je me souvenais que Indiana Jones, il mettait 2 secondes à recharger l'arme. En tout cas, le flingue. Le fusil de chasse, je sais qu'il met du temps, mais le flingue, il met 2 secondes normalement. C'est pas normal. Ah, c'est le mode. Ils ont changé un truc. Comme ils ont changé l'animation du coup de pied. Bon, là, on vient de se les faire. Finalement, c'était pas si hard que ça. Ah, purée, il y en a un autre, c'est vrai. Avec un flingue. Mais il est où? Bon, il est en train de descendre. On entend faire le zouave, là. Bon, descend. Qu'est-ce qu'il fait? Mais descend! Ok. Une IA fabuleuse, hein. Oh.
On a que dalle. Alors vous avez été nombreux à regarder quand même mon gameplay sur Indiana Jones, c'était assez étonnant. Et je me rends compte que finalement, il y a très peu de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur Indiana Jones, ou alors ce sont des youtubeurs vraiment pas connus, youtubeurs français. Finalement, il y a presque que des Amerlocs qui ont fait ce Indiana Jones et le tombeau de l'Empereur sur YouTube. Donc c'est assez étonnant. Ce jeu n'est pas finalement très connu du grand public. Moi j'ai eu la chance de le connaître vraiment à sa limite à sa sortie, enfin quelques temps après sa sortie. Je crois qu'il est sorti en fin, purée, en fin 2003. Alors que moi je l'ai eu mi-2004. Purée. Non, c'est dommage, je trouve, que des jeux comme ça soient assez méconnus du grand public. Il est vraiment excellent. Surtout ce mode, qui vous fait péter des câbles. Contre des ennemis qui en valent 10. Dans le jeu de base. Normalement on s'est fait super facilement les premiers ennemis du jeu. Donc, je me souvenais qu'après ça devenait plus compliqué. Donc là j'imagine pas avec le mode. Purée. Mais du coup les animations qu'ils faisaient très rarement dans le jeu de base, bah là on les voit, ils les font tout le temps. Quand ils nous chopent. Normalement ça il fait presque jamais. Mais purée, il fait encore ça. Bon, attendez. On va se barrer. Comme ça. Ça passe. Ah, c'est bon. Il met 3 plombes. C'est magnifique, cette technique. Je l'appelle la technique du noob. Le noob intelligent. Je me souviens quand j'étais petit là. J'avais 8 ans quand j'avais le jeu, donc ça date. Et merde! Mais purée! Pourquoi ça fait ça? Alors faut vraiment que je pense qu'il faut vraiment que je bidouille pour que la manette Xbox marche. Parce que ça va être chaud avec cette manette. Enfin, surtout dans le jeu. Parce que dans le jeu, le stick il est extrêmement sensible et si le stick il part un poil vers le haut et que c'est pas visible à l'œil nu, bah dans le jeu c'est très visible. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Mais purée! Je vais lui donner un coup de pied, mais il a pas voulu. Pour qu'il tombe. Mais Indy, il en fait qu'à sa tête. Se concentration. Mais non! Et là, je crois que c'est un input qui bug à cet endroit-là, à cet endroit précis. Je me souvenais pas de ça, mais c'est assez étonnant. Alors on va monter, remonter, et remonter, et remonter encore. On n'aurait pas dû faire machine arrière. Voilà, il ne le fait plus. Là, je suis obligé de tourner comme un handicapé pour contrôler Indiana Jones. Sinon c'est un peu hard. Oh purée, il restait qu'un coup en plus.
Magnifique troll, hein, cet ennemi. On peut un peu admirer le JPEG au loin. C'est beau. Parce que c'était la... C'était la particularité des vieux jeux. C'est que souvent, bah, il n'y avait pas énormément de mémoire à l'époque pour... mettre beaucoup de choses en 3D ici et là. Et du coup, on se tapait des JPEG en 2D assez moches au loin. Alors que maintenant, par exemple, avec GTA, on voit des buildings très loin en 3D. Ah, et en plus, on peut revenir ici direct. Ça, c'est cool. Un petit raccourci à la Metroid style. Hein. Ou voilà, Dark Souls plutôt style. Ce jeu fait penser à Dark Souls quand on utilise le mode, n'empêche. Hein, on peut aller à droite. Donc ça c'est le piège. Parce que ouais, on va avoir des pièges là. Voilà, ça faut faire gaffe. Du coup, est-ce que ça one shot? Ah purée. Il a failli tomber. C'est bon, dans le jeu de base, ça one-shot pas, ça fait un petit peu mal, mais ça one-shot pas. Mais là, dans ce mode, un peu bizarre, est-ce que ça nous one-shot? C'est la question. Donc là, on déverrouille une nouvelle portion du niveau entier. Que j'appelle ça plutôt des mondes, du coup. Et ce passage, il est assez simple. Avec un stick normal, là ça va être compliqué. Faut être délicat. Ah purée, ah purée, ah purée. Ouais bon, on s'est un peu fait défoncer. Non, je voulais pas utiliser le medikit. Mais non, c'est pas possible. En plus, je suis au max à ça. Et en plus, je sais que de... pas longtemps après, on va trouver... Bon, attendez. On peut pas charger là. Non, parce que non, je peux pas sauvegarder ça, c'est pas possible. On va recharger le bousin. C'est pas possible. Voilà. Je sais que à chaque portion de niveau débloqué, ça sauvegarde. On est parti. Nickel. Dégage. C'est bon. C'est déjà mieux. Et en plus, c'est bon, j'utilise pas le medikit sans faire exprès. Et je crois qu'il y en a un avec un fusil de chasse. Non, c'est bon. Un petit lag qui fait stylé. Un lag à la Zelda Breath of the Wild. Oh. Mais dégage! C'est pas vrai. Voilà. Je vais pas prendre la machette. J'ai cru que c'était une arme. À feu. Oh là là là. Par contre, via ce mode, quand même, il y a quand même des bugs, hein, des collisions. De base, le jeu n'est pas aussi bugué. Parce que c'est l'IA, en fait, qui part un peu n'importe nawak. En n'importe nawak. Je ne voulais pas prendre ça. Voilà, prends ça si tu veux, toi. Voilà. C'est fait. Et là, si je me souviens bien, oui, on va avoir une gourde plus grande. Et ça, c'est bon. Et c'est un peu le seul monde où on aura une gourde plus grande.
Parce que oui, ça va être, c'est très étrange dans le jeu, mais par exemple toutes les armes qu'on a, on va plus les avoir dans le deuxième monde. On sera à sec et on aura d'ailleurs plus la super gourde. Oh non, ça lag quand même. C'est très bruyant, mais les autres ennemis n'ont pas entendu. Voilà, il n'y en a peut-être pas d'autres. Ah voilà, la super. Je crois que juste en français, c'est super gourde. Juste marqué. Il me semble. Ou alors, je me fais des idées, c'est mon imagination. Et fichtre. Mais fichtre. Nom d'une pute. Prends ça. Le coup de pied dans le talon. Ah, coup de pied dans les fesses. Ouais. Prends ça. Oh, en pleine tronche. Ça t'a pas one shot. Eh bien ça, ça va te tuer. Mais non. Ce jeu, c'est quand même GTA, mais en bien plus... bien plus développé niveau baston. Aussi, c'est un peu galère, parce que... l'inventaire, là, que j'utilise, la rapide... On peut pas... La sélection rapide pour l'inventaire, on peut pas l'utiliser avec la manette. Je sais pas pourquoi, le jeu n'a pas été codé pour. C'est génial, la porte s'est fermée. Je peux monter là-dessus, non? Ça fait un bruitage un peu bizarre quand on fait la roulade là-dessus. Mais oui, ça lag à moitié, on est en 50 FPS. 55 au lieu de 60. Alors je crois que la prochaine fois, j'utiliserai l'autre fonction... d'action, en espérant que Action ne va pas se planter à chaque temps de chargement. Parce que là, il a pas l'air de planter. Tout à l'heure, il plantait. Voilà. Et là, on va avoir affaire au crocodile. Vous voyez aussi, ce qui est vraiment fou, c'est que le level design, voilà. Il se renouvelle à chaque fois. Et puis, il y a le crocodile. Il veut pas venir. Tonton Croco. Y'a ta bouffe, voilà. Vite. On a eu à chaud, parce qu'on l'entendait quand même pas loin. Là, il me semble que... Ah, y'a un crocodile là-bas. On va balancer là-bas. C'est pour faire une diversion, schnell. Sachant que pendant l'animation où Indiana Jones monte, eh bien il peut pas se faire toucher. En gros, on stresse plus quand il monte. On fait bien. Oula, il y a eu une espèce de bug quand je l'ai balancé. Et vite, je suis allé au très mauvais moment. Il n'y a pas besoin de balancer les trucs. Faut juste pas tomber. Ah, pure ouf. De la chance. On va se préparer. Voilà. Le flingue en premier. Ah, on peut pas mettre le flingue direct. Bon, bah. De toute façon, je vais l'utiliser. Le voilà. Le voilà. Alors, il n'y en a pas d'autres. Hein. Je regarde partout. Non. Dégage! Fichtre! C'est le mot que j'ai le plus souvent utilisé. Là, il va me tuer l'autre. Ah purée! Eh non, mais lui. C'est un sniper ou quoi? T'es un sniper ou quoi, toi? Mais t'es un sniper!
Oh là, on faudra taper toute la zone. Ouais, parce que ce jeu est très, très punitif. Donc oui, on se retape juste ici. C'est pas Uncharted. Hein. Ah, mon dieu. Purée. Non, mais vous voyez, le mode difficile, c'est incroyable, quoi. Non, mais franchement, on va changer ça plus tard. Parce que refaire ce jeu dans ces conditions... Normal, je pense que ça équivaut au mode difficile de base, à peu près. Le mode difficile de base est déjà pas simple. Mais bon, c'est pas n'importe la watch. Pas comme là. Bon, l'autre, il s'est pas visé. Tant mieux. Oh purée, mais... Voilà, si, c'est 3 balles. Il a beaucoup de balles, lui. Je crois que j'avais pas de balles avant. Mais il est invincible ou quoi? Attendez. Voilà. Voilà, lui on va se le faire à la loyale. Oui. Mais arrête de te protéger! Pas vrai! J'adore cette technique. Mais... Et ça, c'est inesquivable. Il le fait jamais d'abord, d'ailleurs. Il le fait que quand il se protège pas. Pas d'un coup comme ça, là c'est juste parce que c'est le mode. Mode sur 20. Et il peut le faire aussi en normal dans le mode. Purée. Et ça c'est vraiment cheaté. Non, et puis de base c'est pas véritablement un vidéo défi, c'est principalement le refaire avec vous en commentant. Et bon, je vous serais dit qu'un petit mode ce serait sympa. Bon, purée, lui... Ah, lui, c'est Protection Man. Mon dieu. J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont une IA différente, en fait. Même si on voit toujours Bertrand et Roger, toujours les mêmes deux personnages que l'on voit, qui ressuscitent. Eh bien... Ils ont d'autres techniques. Vanbeck veut s'attaquer. Alors Vanbeck c'est un nazi. Hein. Le voilà. Oui. Mais il était pas là avant lui. Eh mais attendez, il était pas là lui avant. Qu'est-ce qui se passe? Non. Je veux garder mon flingue, c'est bon. Il est toujours pas mort. Non mais je me disais toujours que les chauves étaient très costauds et en plus il vient de frapper son frère d'armes. C'est magnifique. Il faut un bon coup en pop aussi pour t'y créer. Attendez, je vais prendre ça. Je vais utiliser l'ancienne gourde. Et comme ça je pense qu'en prenant la nouvelle, eh bien il va garder toute l'eau dedans. Mais elle est où? Voilà. Pas là non plus. Ah si. La cantine. Cantine. Alors attention, ce passage n'est pas simple. Mais purée. Voilà. On va aller jusqu'au milieu du pont. Bon, c'est pas possible, bon, je vais couper, hein, j'en ai marre. J'en peux plus. À de suite. Et on est reparti pour
La deuxième partie de la deuxième partie, c'est très pratique de s'en souvenir. Et donc, après tous ces fails, j'ai préféré mettre en mode normal. Et là, en normal au moins, c'est jouable. Donc on est parti. Il faut garder l'œil sur cet Américain. Von Beck veut sa tête. Genre là, en normal, je peux me les faire comme ça. En ça. Je recharge vite fait mon truc. Il a vraiment une tête d'Hitler, lui. C'est pas pour rien qu'il bosse avec les nazis, ce fourbe de campagnard. Donc, ils savent quand même bien se débrouiller, hein. Ils savent quand même mieux se débrouiller au corps à corps que le mode difficile du jeu de base. Mais bon, c'est pas insurmontable. Alors, on galère quand même un peu. Mais... voilà, il meurt au moins assez rapidement. Parce que en difficile, il meurt au bout de je sais pas combien de coups. Allez, descends le truc. C'est encore pire qu'avant. Ah oui, le site en fait qui peut permettre de faire tourner des vieux jeux sur des nouveaux PC, eh bien c'est GOG Game. Il me semble que c'est ça, voilà. GOG Game. Alors, est-ce qu'on peut remonter, là? Ah oui, on peut revenir et tout, sauf que ça... du coup, là, ça a chargé une nouvelle zone. Et là, on peut pas revenir complètement en arrière, donc... ça veut dire que la zone avec les crocos derrière, eh ben, elle y est plus. On est dans une nouvelle zone. Et ça, on ne le sait pas. Nous sommes quand même imprégnés dans le jeu. Nous ne devons pas savoir les failles du système. On va balancer ça là-bas. Sachant qu'il y a un autre croco qui fait l'andouille là-bas. Mais on y va quand même. C'est toujours vraiment le stress quand on... voilà. Kourou à tout. J'ai connu des poupées plus avenantes. C'est vraiment le stress quand on est dans la flotte. Donc oui, toujours un peu d'humour, hein. Dans les dialogues. Ah bon, c'est... c'est du Harrison Ford tout craché, hein. C'est compliqué. On va essayer de faire le coup de pied du karaté. Non, il veut pas. Il vaut mieux se soigner. Ah non. Purée. Purée. Oh là, mais qu'est-ce qu'il est rapide. Il chope l'arme direct, c'est marrant. Let's go. Il me restait que ça en vie. Ah oui. Un peu logique qu'il me tue direct. Ah purée. Vite. La voilà. Kourou à tout. Kourou à tout. Elle est pas très sexy, cette poupée. C'est fait, voilà une magnifique cascade pour les best-of, c'est parfait. Voilà, medikit, et on a 3 medikits, il me semble. Voilà, c'est nickel ça. Là, on va savoir qu'on peut pas passer par là. Voilà,
façon, on a bien vu que la porte s'est fermée. Ah, il va falloir descendre ça, mais comment? Il y a un levier quelque part. Faut le trouver. Petit levier, petit petit. Ah, il est là. Juste là, en fait. Oui, et donc, finalement, c'est Indiana Jones. Je l'ai vu un peu après Far Cry 1. Et Far Cry 1, j'y jouais beaucoup avec mon père, comme Star Fox Adventure. Je vous en avais parlé dans le Let's Play. Et par contre, non, mon père n'a pas du tout fait Indiana Jones et Tombeau de l'Empereur. Ouais. Un peu. Peut-être que le jeu est trop hardcore. C'est quand même plus dur qu'un... Purée ! Plus frustrant qu'un Far Cry 1. Quoique, après, Far Cry 1 est dur, hein, vous allez me dire aussi. Bon, c'est un peu inesquivable, hein, ce passage. C'est un peu... What ? Où est-ce que j'ai atterri ? Ah oui, là, c'est stylé, on va voir... Les chauves-souris qui... Ah non, assis là-bas. Là, on voit les chauves-souris. Ce sont en vérité des JPEG. Ah non, elles sont peut-être en 3D en fait. Ouh là là, purée, comment ça lag quand on tourne comme ça. Alors que le logiciel de capture dit toujours que 160 FPS, alors moi je le cours pas trop là. Là on est nickel hein, avec ce mode mode normal, au moins il y a un peu de défi quand même. On va quand même galérer, mais c'est pas insurmontable comme mode difficile quoi. Puis tu sens que le mode difficile c'est juste pour le fun, c'est... Ils l'ont mis comme ça... pour le Nawak. Le mode difficile du jeu de base n'est pas du tout insurmontable. C'est d'ailleurs le... la plupart du temps le mode sur lequel j'étais en train de jouer quand je faisais mon gameplay. Et vous voyez que c'était pas insurmontable. Donc évidemment il y a un truc qui va tomber. Voilà, faut faire attention. Et faut monter, parce que je me souviens de ça. Alors... Comme ça, vous vous dites, ouais, mais c'est tout bête. Mais bon, quand vous connaissez pas le jeu, il faut que je passe de l'autre côté. C'est un peu chaud. Oh. Ah, il y a eu un espèce de bug. Indiana Jones, il s'est mis à marcher tout seul et pouf, il est tombé d'un coup. C'est pas passé loin. Alors que normalement, on voit bien le truc qui s'effondre. Comment ça se fait que je vois plus ma vie? Ah si, elle est là. D'ailleurs, je suis tombé un peu trop, on a vu l'animation de Dindy qui se fait mal, et pourtant, il n'a pas perdu de vie. Ça, c'est, je pense, pendant... parce que j'étais pas loin d'une cutscene. Ce qui arrive des fois dans les jeux. Par exemple, dans Dark Souls, ça c'était un exemple flagrant, dans Dark Souls, il m'est arrivé de tomber comme une pierre, de 30 mètres de haut dans les tombeaux là où il y a les squelettes. Dark Souls 1. Où il y a les catacombes. Il m'est arrivé de tomber. Parce qu'il y a un ennemi qui m'a poussé dans le vide. Et j'étais en train de tomber et... au moment où normalement je suis mort, d'ailleurs on entend le cri du personnage qui crève. Mais à ce moment là il y avait une cutscene. Alors qu'il y en a très peu dans le jeu en plus. Il y en a vraiment très peu, il y en a peut-être 3 cutscenes dans le jeu, franchement. C'est ultra rare. Oui, la première pour le début, et puis la deuxième... Oh purée, il a un fusil. Oh purée. Voilà, il y a toujours le stress quand même avec ça.
Ouh là 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 là. Medikit, m'en fiche. Allez, dégage. Ah, j'ai bugué. Mais purée. Qu'est-ce qu'il a à faire des pas de côté, des pas de danse, là. Mais bref, dans Dark Souls, et bien au moment où la cutscene s'est enclenchée, finalement le jeu il a compté comme si j'étais pas mort, et du coup je suis tombé dans une zone où il y avait un chevalet noir, et j'ai pu choper, enfin, j'ai pu le voir, et savoir exactement où il est, même s'il m'a tué après. Finalement après bah, je l'ai revu et j'ai chopé son hache, car des fois ils te donnent leurs armes les chevaliers noirs, quand t'as de la chance. Là j'ai eu énormément de chance et c'était un chevalier avec l'une des meilleures armes du jeu, tranquille. La hache du chevalier noir. Qui est à la fois très puissante et finalement on attaque assez vite avec cette arme. Il faut garder l'œil sur cet américain. Alors que c'est une hache, hein. Une hache c'est quand même assez lourd. Et purée, j'ai vraiment pas d'arme. Bon là ils ont même pas remarqué que j'ai descendu ça. Alors qu'il y a des ennemis là-haut. Et là, faut vite fait faire ça. Vite fait monter. Frontback ne nous paye pas assez pour ça. Ah là, ils m'ont vu. La musique. Oh là là. Oh là là, ce beat'em all. Bon, l'autre il s'en fout. Ah, il m'avait toujours pas vu. Purée. Heureusement qu'ils sont un peu bigleux. Ah, c'est une nouvelle cette phrase. Je me souviens même pas de cette phrase. Ah là, ils peuvent se taper dessus, ça c'est cool. Attendez, je vais prendre quand même ma gueule. Calme. Bon, alors le let's play, je vous cache pas, hein. Ça a très souvent tombé à ça. Hein. Indiana Jones qui s'enfuit avec sa gourde. Ça a très souvent tombé là-dessus. Ah, c'est cool, il a tué son pote. Enfin, il est en forme là, le chevelu là. Ah, oui, mais crève! Va rejoindre tes semblables, c'est-à-dire en enfer, purée. Voilà, c'est fait. On regagne de la vie. Avec le magnifique jingle à la fin. Quand on tue tous les ennemis. Bon, il n'existe pas dans les films. C'est vraiment, pour le coup, musique originale du jeu. Ah, le niveau avec les chauves-souris. Alors attendez, on était... Je pense quand même qu'on est limite à 30 minutes, là. Bon, je me dis... On est bientôt à la fin, de façon, du monde 1. Il reste vraiment que ce niveau-là, avec les chauves-souris. Assez spécial, vous allez voir. Dans l'épisode 3, dans la partie 3. Pourquoi je dis épisode, c'est pas Super LOL Saga, c'est des parties normales. Je fais pas de montage derrière. Je suis flemmard. Mais bref. Ok, Indiana Jones il marche tout seul comme un papy. S'il veut. Mais bref. C'est vraiment la fin de la première zone. Sachant que je crois dans le jeu, il y en a combien en tout des zones? Oh, je sais plus par contre. Il y a peut-être une petite dizaine. Mais la première zone est vraiment longue par rapport aux autres. Quoique, il y en a une qui est quand même assez longue aussi. C'est celle de Istanbul. Et sinon, la plupart des zones, ou la deuxième aussi, quand on est en Allemagne.
Et sinon, après, c'est plutôt des zones assez petites. Ça veut pas dire que le jeu est long, quoi. Quand on voit la première zone, pourtant, on met un peu de temps. Finalement, le jeu, finalement, il dure, je sais pas, je crois, 7-8 heures. À tout casser. Donc ça fera peut-être en 16 parties. Et qu'on fera des parties de 30 minutes. Donc, assez bavardé. Là, c'est vraiment la fin de la zone, parce que juste après cette partie-là, juste après les chauves-souris, il y a le boss de la zone. Donc, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures.